Stéphanie Guiraud-Chomeil, je suis maire d'Albi et présidente du Grand Albigeois. Accélérateur d'attractivité pour nos territoires, pour notre territoire, diversification et équilibre finalement des populations qui vont être concernées et capacité de restauration, de réhabilitation d'un patrimoine immobilier qui a besoin de vivre et d'évoluer. Redonner vie à des immeubles vacants depuis beaucoup trop longtemps, a fortiori dans un centre patrimonial comme celui d'Albi. Action Logement a été très clairement un accélérateur de projets, à la fois par les capacités de financement, par le levier de financement que ça a impulsé. Ça a été un accélérateur aussi dans la prise de décision d'investisseurs, notamment d'investisseurs privés. Et puis c'est très clairement une aide technique que nous n'avons pas forcément, même si nos équipes sont remarquables de compétences et d'implications. Cette aide technique est vraiment particulièrement appréciable. Là aussi très clairement, un levier économique à la fois par l'investissement que ça va induire, l'investissement public mais aussi l'investissement privé. Je le disais, c'est un accélérateur de projet, donc très clairement ces investissements retombent sur les entreprises de notre territoire et puis c'est faire venir des nouveaux actifs. Nos territoires sont en permanence en renouvellement, en évolution. Ces actifs sont les bienvenus dans nos villes dites de taille moyenne. Grâce à Action Logement, effectivement, nous sommes en train, enfin un opérateur privé, pardon, est en train de réhabiliter un immeuble qui était vacant depuis 2007, me semble-t-il, qui est au pied de la cathédrale, qui est face au palais de la Berbie, qui abrite le musée Toulouse-Lautrec, qui est un petit bijou, en tout cas qui était un petit bijou en sommeil et qui, grâce à Action Logement, va devenir habité et donc va retrouver sa fonction initiale. Et j'insiste, dans nos centres patrimoniaux anciens, c'est important, nous avons des immeubles qui ne vivent plus parce que trop de contraintes et donc ce levier leur permet d'être à nouveau habité et nous avons besoin de centres habités. Cette dynamique, elle a été engagée grâce à Action Cœur de Ville. Je ne doute pas qu'elle se poursuivra sur plein d'autres sujets. Et d'ailleurs, nous avons d'autres sujets déjà de coopération avec Action Logement. La dynamique, elle est vraiment dans cette logique de coup de projecteur, d'accélérateur. Il faut donner envie, il faut montrer aux investisseurs qu'ils peuvent oser. Et effectivement, ce sera le point le plus positif, c'est que Albi va continuer à se développer grâce à ce partenariat. Et j'insiste, je ne doute pas que ce n'est que le début, ou en tout cas que la poursuite de quelque chose qui va encore s'amplifier.